à tous. Alors, un nouveau chapitre sur les mouvements, donc cette fois-ci de physique, avec, on va étudier ces mouvements, surtout revoir des choses de collège, et ensuite rajouter des notions sur la vitesse que vous n'avez pas forcément vues au collège. Donc déjà, vous avez une petite carte mentale sur les prérequis du collège, donc je vous laisse en prendre connaissance hein, sur ce que normalement vous avez vous avez acquis au collège sur la notion de mouvement. Alors, on va revoir pas mal de ces choses-là, mais déjà, bon, lisez-le bien, ça va vous remettre les choses au point. Ensuite, on va commencer par la notion de trajectoire. Alors, pourquoi? Parce que quand on étudie des mouvements, la notion de trajectoire est très importante. C'est quoi une trajectoire? Et en fonction du mouvement qu'on étudie, ces trajectoires vont être différentes. Et ce qui est très intéressant aussi, c'est la notion de variation de vitesse. D'accord, donc trajectoire et variation de vitesse sont les notions très importantes quand on étudie un mouvement de sportif ou de non sportif. Alors, on va commencer avec de la trajectoire au mouvement. Donc là, je compte sur vous pour faire les choses au fur et à mesure ou alors de les faire d'abord et de regarder la vidéo ensuite. Donc, on va commencer avec l'étude de différentes trajectoires à partir de vidéos. Donc, une petite vidéo ici à regarder en amont, à regarder avant, qui vous explique comment j'ai obtenu ce qu'on aurait fait en temps normal, comment j'ai obtenu ces trajectoires. Alors, on a d'abord comme mouvement, étude du mouvement, le mouvement du point d'une roue de voiture qui est en translation sur une route horizontale. Donc j'ai une petite voiture, hein, si vous regardez la vidéo, qui avance sur une route horizontale, donc le sens du mouvement comme ça. Et on réussit à avoir les différentes positions ici, en rouge, de la voiture au cours du temps. Au niveau pratique, juste qu'est-ce qu'on a sur le logiciel qui nous permet d'étudier la vidéo? On a un système d'axes, donc ici il serait comme ça. Donc désolé pour j'ai pas de règles. Hein. Il serait comme ça, donc un repère cartésien comme en maths, hein, OX, OY. Et donc quand je pointe, donc moi c'était la roue de voiture, quand je pointe ici les différentes positions de la voiture, ça me donne la valeur de X pour cette position-là et la valeur de Y pour cette position-là. Et donc, c'est pour ça que sur le graphe que j'ai ici, j'ai Y en ordonnée, donc les valeurs de ce Y pour les différentes positions. Alors, vous voyez que je vais redessiner une petite voiture. Évidemment, ma petite voiture, elle avance comme ça. Si je prends toujours le même point de la roue de la voiture, hein, c'est le but, on prend le même point, hop, son Y, la valeur de Y ne va pas changer, hein, évidemment. D'accord? Donc c'est pour ça que Y, ça reste à peu près constant. Et la valeur de X, évidemment, elle va augmenter. Ici, je vais dire que c'est X2, ici X1. Donc on a évidemment une augmentation de la valeur de l'abscisse ici. Mouvement X, hein, ça s'appelle, mais c'est X de la voiture. Et donc du coup, voilà ce qu'on obtient pour les différentes positions, donc c'est les points rouges. Alors là, ils sont reliés un à un. Bon, vous n'êtes pas obligé de le faire du tout, c'est pour voir un petit peu ce que ça donne. Et qu'est-ce que ça donnerait? Ça se voit assez bien. On a quelque chose d'aligné, hein, avec les valeurs de Y qui ne changent pas. Donc, on vous demande donner la définition de ce qu'on appelle une trajectoire. Une trajectoire, hein, c'est facile, c'est l'ensemble des positions. Alors pour un point, hein, l'ensemble des positions d'un point au cours de son mouvement, donc c'est en fonction du temps, donc ça c'est la définition d'une trajectoire. Donc voici une trajectoire, puisqu'on a Y en fonction de X, on a les différentes positions de l'objet au cours du temps, donc on a la trajectoire ici du point correspondant au centre de la roue arrière de la petite voiture. Ensuite, à quoi ressemble celle de la roue de voiture? Comment alors qualifie-t-on la trajectoire? Alors on voit que, évidemment, on a une droite, d'accord? Donc, la trajectoire est une droite. Et comment on qualifie la trajectoire quand on a une droite? On dit qu'elle est, que la trajectoire est rectiligne. Mot à retenir. Que peut-on dire de la vitesse de la roue? Alors, comment on fait ça? Alors, je vais enlever mon trait, là. Voilà. Comment on fait pour parler de la vitesse? On regarde les différentes positions du point et on regarde si la distance entre ces différentes positions augmente, diminue ou reste la même. Alors là, c'est à l'œil évidemment, hein. On a l'impression que là, les distances parcourues, donc c'est les distances parcourues par la voiture, semblent relativement identiques. D'accord? Ça semble être toujours la même distance parcourue. Alors, sachant que
On a une vidéo, hein, j'espère que vous avez regardé la vidéo image par image. On regarde le mouvement image par image. Et donc, le temps entre chaque image est toujours le même. Donc, si la distance parcourue par le point pendant le même temps reste la même, ça veut dire que la vitesse est constante. D'accord ? Si la distance avait augmenté pendant un temps... Enfin, si la distance parcourue était de plus en plus grande alors que le temps entre chaque position était toujours le même, alors là, on aurait eu une vitesse qui augmente. Et inversement, si la distance diminue. Donc ici, que peut-on dire de la vitesse de la roue ? Bah, on voit que les distances sont constantes, donc les points sont à équidistance les uns des autres, donc sont équidistants. Donc on peut dire que la vitesse semble être constante. La justification, c'est car la distance parcourue pendant une même durée est tout le temps la même. À l'œil, hein, je répète. Comment peut-on alors qualifier le mouvement? Alors, quand vous parlez d'un mouvement, il faut dire deux choses. D'abord, il faut qualifier la trajectoire qui, ici, est rectiligne. Donc, il y a un premier adjectif à donner. Donc, mouvement rectiligne. Et le deuxième adjectif, c'est ça concerne la vitesse. Ici, la vitesse est constante. C'est quoi le terme pour un mouvement où la vitesse est constante? Sa valeur, c'est uniforme. Donc, ce n'est pas constant. Attention. Hein. Attention. C'est pas constant. On ne peut pas dire le mot constant, ne me demandez pas pourquoi. Donc, ce mouvement est rectiligne, uniforme. On continue. Alors, cette fois-ci, encore une fois, vous l'avez dans la vidéo, on lâche une balle verticalement et on pointe les différentes positions que vous avez ici à l'aide des points roses. Pareil, on a un repère, hein, Y, OY, OX, OX, OY, et voilà. Bah, les différentes positions repérées. Qualifier la trajectoire de la balle, là encore, je ne vais pas la représenter, mais c'est une droite, mais cette fois-ci c'est verticale et non horizontale. Donc c'est une droite, donc elle est encore une fois rectiligne. Alors vous avez le droit, quand la direction est particulière, de la nommer, donc ici c'est rectiligne verticale. On aurait pu dire tout à l'heure rectiligne horizontale. Que peut-on dire de la vitesse de la balle? Alors on voit là, ça se voit nettement, que la distance parcourue par la balle augmente au cours du temps, puisqu'on voit que par exemple, cette distance-là est plus grande que celle-ci. Et c'est régulier, c'est-à-dire que la distance ne fait qu'augmenter. Donc comme la distance entre les positions augmente, ça veut dire que la vitesse augmente, puisque le temps est toujours le même entre deux positions. Si la distance augmente, ça veut dire que la vitesse augmente. Donc du coup, comment qualifier un mouvement comme celui-ci? Alors je répète, on met la trajectoire, donc elle est rectiligne, et on qualifie le mouvement. Alors la vitesse augmente, ça veut dire que le mouvement est accéléré. Donc quand vous avez une vitesse qui augmente au cours du mouvement, on dit que le mouvement est accéléré. On continue. Alors, le point d'une nacelle d'une grande roue qui tourne, d'accord, sur une grande roue, voilà ce qu'on obtient. Donc, toujours pareil avec un repère OX, OY, et on a les différentes positions ici qu'on a repérées. Regardez la vidéo. Qualifier la trajectoire du point de la nacelle. Ben, on voit, hein, si on a le centre, alors on n'a pas tout, mais ça a l'air d'être une trajectoire circulaire. Donc, c'est un cercle, la trajectoire, donc trajectoire circulaire. Que peut-on dire de la vitesse du point? Bon, alors là, c'est compliqué parce que si vous avez vu la vidéo, c'est difficile de pointer précisément. Donc là, bon, on voit que c'est pas terrible, mais il semblerait aux erreurs de pointage près, hein, que la distance entre chaque position est environ la même, hein, environ constante, donc intervalle de temps régulier. Donc ça voudrait dire que la vitesse est constante. Donc, comment peut-on alors qualifier le mouvement du point de la nacelle? Bah, c'est un mouvement, donc on qualifie la trajectoire, donc ici, circulaire. Et la vitesse, si elle est constante, c'est le terme uniforme. Donc, un mouvement circulaire uniforme, c'est un mouvement où la trajectoire est un cercle et où la distance parcourue par le point à intervalle de temps régulier est tout le temps la même, donc vitesse constante. La dernière trajectoire que je vous propose, c'est la trajectoire qui concerne le mouvement d'une balle lancée. Donc ici, on a une personne qui lance une balle à une autre personne. D'accord ? Donc voilà ce qu'on obtient toujours dans un repère OX, OY. Alors, qualifier la trajectoire. Alors ici, vous reconnaissez, j'espère, une parabole.
Donc mathématiquement, c'est une courbe particulière. Et donc, ça veut dire que la trajectoire est parabolique. Donc, c'est une parabole, donc la trajectoire est parabolique. Au niveau de la vitesse, alors il y a deux parties différentes, et c'est assez logique. Il y a la balle qui monte au départ, et on voit qu'ici, la distance là, parcourue, elle diminue. Donc sur cette partie-là, la distance diminue. Donc ça veut dire que sur cette partie-là, la vitesse diminue. Alors c'est logique, puisque la balle, elle monte, ici elle va finir par s'arrêter, puis retomber. Et pourquoi la vitesse diminue? Parce qu'en fait, la balle est attirée vers le bas. D'accord? On verra pourquoi. Par la Terre, elle est attirée par la Terre vers le bas. Et donc, la vitesse va diminuer. Sur cette partie-là, donc sur l'autre partie, bah là, qu'est-ce qu'on voit? On voit que la distance parcourue augmente. D'accord? Donc, ça veut dire que la vitesse augmente. Ok? Donc, en gros, il y a deux parties sur la trajectoire. Il y a une première partie où là, le mouvement va être donc parabolique. Alors, là, la vitesse diminue. Alors, quel est le mot approprié? Bah, c'est, alors, il y en a plusieurs. Hein, décélérer, donc c'est le contraire de accélérer. Donc, mouvement décéléré ou alors ralenti ou alors retardé. Les trois sont admis, d'accord? Donc moi, je vais garder décéléré, mais on peut dire retardé, on peut dire ralenti, pas de souci. Donc sur cette partie-là, le mouvement va être parabolique, décéléré. Et sur l'autre partie, alors bah oui, puisque la balle est là attirée par la Terre, donc du coup, ça, la vitesse augmente en tombant vers le bas. Donc là, le mouvement va être parabolique, encore une fois. Mais cette fois-ci, comme la vitesse augmente, il va être accéléré. Donc sur cette partie-là, le mouvement est parabolique, accéléré. Alors j'espère que ça va, ça c'est des rappels hein, de collège, sauf peut-être pour le mouvement parabolique que vous n'avez peut-être pas vu au collège, mais j'espère que ça va. Donc ce qui est important ici, c'est de savoir qualifier une trajectoire et de savoir qualifier un mouvement et de repérer, si on vous donne une trajectoire, repérer ce qu'il y a à repérer. Alors, au niveau de la synthèse de ce qu'il y a à savoir, déjà la définition, donc il y a un petit cœur, hein, la définition de ce que c'est qu'une trajectoire, c'est l'ensemble des positions successives du point au cours de son mouvement, donc si on parle de la trajectoire d'un point. Alors, à connaître, si la trajectoire est une droite, elle est dite, donc on l'a vu tout à l'heure, rectiligne. Si sa trajectoire est un cercle, elle est dite circulaire. Si sa trajectoire est une parabole, elle est dite parabolique. Et alors le terme qu'on n'a pas employé, c'est que bah, parfois votre trajectoire, elle va pas être, ça ne va pas être une courbe que vous connaissez facile. Donc c'est une courbe quelconque. Dans ce cas-là, il y a un terme qui s'appelle curviligne. Donc curviligne qui serait l'adjectif associé au mot courbe. Pourquoi? Bah, ça c'est quand on ne sait pas. C'est n'importe quoi. Donc par exemple, si vous avez une mouche qui vole dans le ciel, sa trajectoire, ça va faire n'importe quoi, d'accord? Puisqu'elle va n'importe où. Et bien, dans ce cas-là, évidemment, c'est curviligne, ok? Alors, juste hein, la mouche, je vous rappelle, pour la trajectoire, on a des positions. Hein, on ne peut pas avoir la ligne que j'ai représentée. On a des positions. Et pour avoir la trajectoire, ben, il suffit que je relie les différentes positions, hein, d'accord? Pour que ce soit bien clair pour tout le monde, hein, ok? Ensuite, au niveau du mouvement. Alors, le mouvement d'un point, il faut deux choses, je rappelle. Il faut la notion de trajectoire et l'évolution de la vitesse. Donc, toujours deux adjectifs. Si la vitesse augmente, le mouvement est dit... Alors, si la vitesse augmente, le mouvement est dit accéléré. Mais attention, hein, ça, c'est qu'une partie de la qualification du mouvement. Il faudra rajouter la trajectoire approprié. Et donc ça, comment on repère que la vitesse augmente? Bah, il faut que la distance entre deux positions consécutives du mobile augmente pour que la vitesse augmente. Donc par exemple, vous auriez un truc qui peut ressembler, donc voilà, les distances augmentent au fur et à mesure du mouvement. D'accord? Donc voilà les différentes positions avec une distance qui augmente. Si la vitesse diminue, le mouvement est dit décéléré. Alors on peut aussi utiliser le mot retardé et ou ralenti. D'accord? Avant, on n'utilisait pas décéléré, maintenant on l'utilise.
Donc à intervalle de temps régulier, la distance entre deux positions successives du mobile, pour dire que la vitesse diminue, il faut que la distance parcourue à intervalle de temps régulier, donc toujours pendant la même durée, diminue. Donc ça serait quoi par exemple? Par exemple, on aurait un mobile avec des positions qui ressembleraient à ça. Donc la distance diminue. D'accord? Donc là, la vitesse va diminuer. Si maintenant la vitesse est constante, alors attention au terme, c'est pas constant, c'est uniforme, donc là à connaître par cœur. Donc si la vitesse est constante, on dira que le mouvement est uniforme. Et donc à intervalle de temps régulier, la distance entre deux positions successives du mobile est constante, c'est la même. Donc elle ne change pas. Donc ça ressemblerait à quoi? Alors à savoir repérer, hein, évidemment. Donc on aurait par exemple, alors évidemment c'est à l'œil, hein, voilà. Des positions qui seraient équidistantes, c'est le terme. Là, on est à égale distance à chaque fois, donc on dit que les points sont équidistants. Hop, voilà. J'espère que ça va pour ça. Du coup, le bilan, bah, je vous ai dit qu'il y a deux adjectifs pour un mouvement, hein, ok? Donc, pour étudier un mouvement, déjà, on peut soit étudier des vidéos, comme dans la vidéo que je vous ai mis en lien, soit on peut étudier des chronos. Photographie, d'accord? Alors c'est quoi des chronophotographies? Je vais vous en montrer. C'est la juxtaposition de plusieurs images prises successivement à intervalles de temps réguliers. Alors je vous montre, j'ai tapé sur Wikipédia, le navigateur là, de recherche chronophotographie et voilà des exemples. Donc par exemple, un saut à ski, bah, on a le mouvement. Mais image par image, mais sur la même image. C'est ça qui est fort. Alors que sur la vidéo, bah, il faut faire défiler image par image. Là, on les a mises, toutes les images, sur une seule image. Donc, c'est très intéressant à étudier. Donc, par exemple, pour une balle, voilà la chronophotographie. Donc, ensuite, il suffit, même à la main, hein, de prendre les différentes positions et vous avez la trajectoire. D'accord? Donc, c'est super. Après, pour une balle de golf, hein, c'est pas mal aussi. Enfin, voilà, on a plein, plein de chronophotographies à notre disposition. Alors, donc on peut utiliser une chronophotographie ou des logiciels de pointage. Ensuite, la définition de la trajectoire, j'y reviens pas. Il faut toujours, pour décrire un mouvement, préciser deux adjectifs qualificatifs. Le premier qui caractérise la trajectoire, donc si c'est une droite, si c'est un cercle, si c'est une parabole, une sinusoïde, j'ai rajouté. Donc si ça ressemble à des vagues, hein, on dira que la trajectoire est sinusoïdale. Et donc, le mouvement sera sinusoïdal et on rajoute la notion de vitesse. Si c'est un point, donc il n'y a pas de trajectoire, hein, le mouvement, c'est immobile, hein, le mobile est, le, comment, le point est immobile ou l'objet est immobile. Et si c'est une courbe quelconque, curviligne. Bon, ça, voilà. Et le deuxième adjectif qualificatif qui concerne la vitesse, donc soit accéléré, soit décéléré, soit uniforme si la vitesse est constante. Attention, si jamais bah, c'est quelconque, bah, on dit que c'est quelconque. C'est-à-dire que si la vitesse ne fait pas qu'augmenter ou ne fait pas que diminuer ou n'est pas constante, soit vous pouvez séparer le mouvement en deux, comme tout à l'heure avec le mouvement parabolique, soit bah, vous dites que c'est quelconque. D'accord? Et la dernière chose, souvent sur les trajectoires, on va représenter le sens du mouvement par une flèche. Donc ça pour dire dans quel sens, bah, d'où on est parti en fait, hein, pour arriver où. Autre chose que je ne marque pas ici, mais souvent, vous pourrez numéroter les différentes positions de la trajectoire. Position 1, position 2, position 3, pour voir déjà dans quel sens on va. Et ça pourra vous servir après, vous allez voir, pour dessiner des vecteurs vitesse. Alors, une petite vidéo récapitulative, si ça vous dit, en plus de tout ça. Et alors, au niveau des petits exercices que je vous propose par rapport à ça. Donc, encore une fois, quand même pas mal de rappels là. Donc, une chronophotographie, donc je viens de vous le dire, est une superposition de photos prises à intervalles de temps réguliers. Donc, ça veut dire que le temps entre ces deux positions, le temps entre ces deux positions et ces deux positions, c'est le même. Pour chaque chronophotographie, je vous demande d'ajouter une légende qui qualifie le mouvement. Donc, attention, il faut deux adjectifs. Donc, ici, qu'est-ce qu'on voit? On voit que la trajectoire est rectiligne. Donc, le mouvement sera rectiligne quelque chose. Ensuite, qu'est-ce qu'on voit? On voit que la distance entre les voitures diminue au cours du temps. Donc, ça veut dire que la vitesse diminue. Donc, le mouvement sera rectiligne, décéléré. D'accord? Ensuite, pour les petits avions, les petits hélicoptères, là, plutôt, qu'est-ce qu'on voit? On voit que la trajectoire est un
cercle, donc le mouvement sera circulaire. Et au niveau, alors là, il n'y a pas beaucoup de positions, hein, mais on a l'impression quand même hein, que cette distance-là égale celle-ci, égale celle-ci, égale celle-ci. D'accord ? Donc, ça voudrait dire que la vitesse est constante, puisque la distance parcourue est tout le temps la même. Donc, on dira que le mouvement est circulaire uniforme. D'accord ? On continue avec le petit bateau. Alors, attention, la trajectoire, là. Donc, si je prends par exemple un point du bateau, voilà les différentes positions, je prends le même point. Voilà. Alors, hop, si on regarde, ça fait quelque chose comme ça. Donc, ce n'est pas vraiment une droite. Donc, c'est une courbe. On va appeler cette trajectoire curviligne. Ce n'est pas vraiment une droite. Hein. Même si je prends le même point là, ce serait... Non. C'est pas une droite, donc curviligne. Et au niveau de la distance parcourue, bah, on voit que la distance diminue. Donc ce serait curviligne décélérée. Alors juste un point de détail, mais important. Quand vous regardez la trajectoire d'un objet, il va falloir forcément, on va le voir par la suite, choisir un point de l'objet, toujours le même, pour regarder la trajectoire. Vous ne pouvez pas, voilà, vous pouvez pas prendre l'objet dans son ensemble, malheureusement. Alors, on perd des informations, hein, on le verra, mais il faut forcément le faire. C'est pour ça que vous avez des croix ici sur la voiture. Et que là, pour le bateau, bah, je prends pas, je prends toujours, j'essaye de prendre toujours le même point. On y va avec le camion. Alors, le sens du mouvement, c'est de, c'est dans ce sens-là, donc on fait attention. Et là, qu'est-ce qu'on voit? Bah, on voit, hein, c'est pareil si je prends le centre du camion. Hein, ce serait peut-être le centre d'inertie. Hop, ben on voit que la trajectoire est rectiligne. Donc, rectiligne. Et qu'est-ce qu'on voit au niveau de la distance parcourue? Ben on voit que cette distance augmente. Donc là, la vitesse augmente. Le mouvement sera accéléré. Donc, ce sera un mouvement rectiligne accéléré. Alors, le dernier avec les petits vélos. Alors là, tiens, je vais prendre ce point-là. D'accord, alors ça se voit quand même avec les vélos. Hein. Donc là, la trajectoire, attention, même si c'est en pente, hein, c'est rectiligne. Bien sûr, donc c'est une droite. Et on voit que la distance augmente, même si on n'a pas beaucoup de position. Hein. Donc ce serait une vitesse qui augmente et donc un mouvement rectiligne accéléré. Donc vous devez être capable, quand on vous donne des chronophotographies, de repérer les différentes positions, de repérer... Donc, du coup, de dire quelle est la trajectoire, la qualifier, et ensuite qualifier le mouvement si c'est possible avec le deuxième adjectif. Alors, deuxième exercice, sortie de route. Donc là, vous avez une Formule 1 lors d'une course automobile et on a une sorte de chronophotographie, mais sous forme de dessin ici. Alors, on a en rouge, donc je vais représenter les différentes positions ici qui seraient peut-être le centre d'inertie de la voiture. Centre d'inertie, c'est centre de gravité. Alors, qu'est-ce qu'on voit? Décrire la trajectoire. Bah, on voit, hein, si je relis les différentes positions, qu'on a une droite. D'accord? Donc, la trajectoire est rectiligne. Alors, il faut relier les points. Enfin, faut voir hein, si vous êtes avec votre énoncé devant vous. Prenez votre règle et regardez que c'est bien aligné. Que peut-on dire de la vitesse? Alors là, il faut mesurer. Ça, faut le faire sur votre feuille. Vous mesurez ces distances-là, d'accord? Et vous vérifiez, est-ce que la distance augmente? Est-ce que c'est tout le temps la même? Alors là, à l'œil, hein, mais il faut le faire aussi en vrai, la distance est tout le temps la même. Donc, ça veut dire que la vitesse est constante. Et la justification, c'est que la distance parcourue par la voiture à intervalles de temps réguliers est la même, est toujours la même. Donc, on a une trajectoire rectiligne, une vitesse constante. Quel est le mouvement du centre du véhicule? D'accord, c'est bien ce point que j'ai pris. Bah, ce sera un mouvement rectiligne uniforme. Alors pourquoi c'est important ici le point que l'on prend? Bah, vous remarquez quand même que si je vais changer de couleur, on va le voir après dans une activité en plus en détail, mais si je prends cette roue là, bah, regardez. Hop, hop, hop. Et hop, et ben, qu'est-ce que vous voyez? On n'a pas une droite, d'accord? C'est-à-dire que l'objet dans son ensemble,
n'a pas un mouvement rectiligne. Tous les points de l'objet n'ont pas un mouvement rectiligne uniforme. Uniquement le centre de la voiture. Mais si on prend d'autres points, bah là, la trajectoire ne sera pas la même. Donc on perd des informations, hein, évidemment, mais il faut bien choisir le point. Et en général, on prend le plus simple, vous allez voir. Mais c'est, faut bien être conscient de ça. On continue. Tac. Bah non, on s'arrête là. Donc ensuite, ce sera, on va parler des référentiels que vous avez vus également en troisième. On s'arrête là pour aujourd'hui. Bon courage à tous.